Bon, c'est pas que le cas pour le pommier, mais là, c'est intéressant cette idée de pousse néoformée, en fait. C'était la pousse qui était formée dans le bourgeon. Vous voyez, sur le pommier, on peut avoir trois pousses dans l'année, par exemple. On peut avoir une première pousse néoformée. On l'a ici sur un rameau court, ici sur un rameau court un peu plus long, mais qui finit par une fleur. Et puis, on l'a ici. Vous voyez, ça s'arrête sur la cicatrice foliaire ici. On peut avoir une deuxième pousse. Et puis après, on peut avoir une troisième pousse, hein, après le mois d'août. Donc on a la pousse de printemps qui est préformée dans le bourgeon, pousse de juin, puis après pousse d'août. Suivant la vigueur, on peut avoir jusqu'à 3 pousses et on peut avoir des ramifications. On l'a vu d'ailleurs hier, on avait des pousses néoformées sur les abricotiers. Après sur le pommier, on a différents types de bourgeons. Hein, donc les rameaux courts, qui sont, donc on a le dard, donc, qui se termine par un bourgeon végétatif, un bourgeon à bois, et qui généralement devient fructifère l'année d'après. Donc c'est un rameau court qui est généralement sur des axes très orthotropes, très verticaux, dans un premier temps, par sollicitation hormonale, reste un bourgeon à bois, dynamique, et il finit souvent par devenir fructifère l'année prochaine et se comporter sous la forme d'une lambourde. La lambourde, c'est un peu la même chose, sauf qu'en fait, c'est un bourgeon c'est une pousse qui est terminée par un bourgeon à fleurs, hein, et ce bourgeon à fleurs va donner sans doute un fruit, au moins une fleur, et sans doute un fruit. S'il y a trop de vigueur, la plupart du temps, si la pousse est très longue, comme sur des brindilles couronnées, ça avorte et ça fait une fleur, mais ça n'arrive pas à fructifier parce qu'il y a trop de vigueur, s'il y a trop de vigueur, quoi. Quand elle est plus courte et la lambourde, elle se transforme assez rapidement en coursonne, en fait. Donc la coursonne, c'est une réserve qui se met en place après la fructification, qui est une espèce de stockage d'énergie. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi elle est due. Est-ce que c'est un surcroît de sucre à cet endroit-là? Et généralement, c'est des spots de fructification qui sont capables des fois de se dédoubler d'une coursonne. On peut avoir deux lambourdes qui partent et qui fabriquent d'autres coursonnes derrière. En fait, c'est des spots de fructification que l'arbre n'abandonne jamais. Et il continue indéfiniment à allonger. Et ça peut être lambourde sur lambourde sur lambourde, et ça peut être coursonne sur lambourde sur coursonne sur lambourde sur coursonne sur lambourde. Et le pommier, la plupart des pommiers n'abandonnent jamais ça. Et on s'aperçoit que même sous une branche très hypotone, très dominée, avec des couches et des couches successives de basculement, comme on voit sur les vieux pommiers très chargés là, et bien on va prendre le bourgeon le plus vieux, on va le casser, on va s'apercevoir qu'il est encore vivant, son pommier. La plupart du temps, le pommier a du mal à abandonner ce qu'il fait. Ça peut devenir un handicap sur les vieux pommiers depuis un plein vent quand on ne les taille pas, sur la fructification, quoi. Et puis on a les bourgeons latents, donc ces bourgeons proventifs là, qui sont fabriqués et qui sont inhibés par la croissance des bois au-dessus. Voilà à peu près le type de bourgeons qu'on peut rencontrer dans vivant et en place sur les pousses de l'année. Après, donc j'ai détaillé ces différents types d'architecture. Hein. Donc là, c'est, je le redis, quoi, c'est issu d'une modification génétique issue des rameaux courts que l'on a utilisé pour optimiser la fructification. C'est des plantes qui fabriquent plus de fruits que de bois, en gros, quoi. Et donc on a des ports très érigés et très, très verticaux. Donc le but là, c'est d'arriver à l'accompagner sur sa forme définitive. Et puis après, il faut simplement faire en sorte que les parties qui aient suffisamment de feuilles par rapport au nombre de fruits, et puis penser à toujours garder les branches à bois et pas systématiquement les enlever, parce que souvent on a un déficit de feuilles par rapport au volume de fruits, quoi. Il a tendance à beaucoup fructifier, et donc tout ce qui est bourgeon à bois et donc jeunes pousses que l'on a nommé ici par exemple dard ou les pousses courtes comme ça, ou alors qu'on va pouvoir appeler brindilles couronnées, hein, ou lambourdes, il faut les conserver parce que c'est elles qui font des feuilles et qui permettent aux fruits de mûrir et de grossir. Donc il faut en conserver une bonne partie de ces branches là. Et puis il faut limiter le nombre de coursonnes, puisque génétiquement il est fait pour en fabriquer, donc il faut limiter son nombre de coursonnes, sinon il s'épuise l'arbre.
Alors après, c'est bon. C'est, moi, il y avait pas normalement de nom sur ces arbres-là. Moi, j'ai décidé de donner des noms parce que je trouve que c'est plus sympa que type 2, type 3, type 4. Donc là, je l'ai appelé Fort en tête. Fort en tête parce que c'est quelque chose qu'on donne souvent sur l'architecture. J'aurais pu forcer le trait encore un peu plus comme l'arbre de tout à l'heure, où on a les branches latérales qui codominent en fait. Hein, souvent, on a les branches latérales qui sont quasiment aussi longues que l'axe principal. Et donc, on a des arbres à port érigé, très, très verticaux. Donc ça, c'est des arbres qui mettent très longtemps à fructifier en fait. Hein. Et des fois, ils mettent 8, 10 ans si on les laisse faire avant de faire une fructification à peu près correcte. Bon, forcément, suivant les porte-greffes, ça va influer un peu dans un sens ou un peu dans l'autre. Mais c'est pas ces arbres-là que l'on va choisir principalement à greffer sur des porte-greffes nanifiants, quoi. On va plutôt préférer des ports pleureurs sur les porte-greffes nanifiants. C'est beaucoup plus simple à gérer que des porte-greffes vigoureux et verticaux, quoi. Alors, on peut accélérer la fructification en basculant les branches, quoi, mécaniquement, en les prenant et en les horizontalisant. C'est ce que l'on peut faire, mais généralement, c'est pas super parce que, enfin, on peut le faire, mais il faut y aller avec parcimonie parce qu'ils ont tendance à avoir besoin de structurer pour être pérenne et pour que ça fonctionne bien au niveau charpente. Il faut le laisser mettre en place son système de charpente, quoi. Et c'est des arbres qui ont tendance à être assez sensibles à l'alternance, souvent. Les arbres à port érigé ont tendance à être sensibles à l'alternance. Bah, parce qu'ils sont hyper dynamiques, et donc ils vont fabriquer beaucoup une année, donc poum, énormément de pommes, et puis l'année d'après, oh, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Et enfin bon, voilà, il y a cette espèce de rythme là qui se passe. Donc ça, j'ai appelé ça port planétaire, parce que là, c'est des arbres qui sont très... très structurés, qui fonctionnent très très bien avec le basculement. Là, il y a simplement à accepter le fait que ces arbres-là basculent régulièrement et remplacent leurs branches. Et donc, ces basculements successifs, il faut les accompagner en limitant, soit en limitant le nombre de poursonnes tant que les parties des branches dominées soient ensoleillées, soit carrément en supprimant les branches hypotones et en accompagnant le développement du végétal dans la prospection de ces branches-là. Donc encore une fois, lumière, fruit. C'est un peu moins sensible à l'alternance, mais quand même malgré tout aussi, comme je disais que les coursonnes ne meurent jamais. C'est ce genre d'arbres-là où on ne se retrouve pas avec des grands arbres immenses, avec des pommes partout, tout ça. C'est des arbres-là où on a des couches successives de branches là qui finissent par se former et il n'y en a aucune qui meurt, quoi. Si on doit accompagner un arbre comme ça, on va d'abord enlever toutes les branches qui pendent et qui descendent. Et là, dans ce cas-là, on accélère un peu le... Alors, en quelque part, on rajeunit architecturalement, on rajeunit un peu le végétal. Hein ? C'est le boulot des vaches. Boulot des vaches, ah oui, en dessous là. Ouais, mais après il y a plusieurs. Des vaches et des girafes. Et puis on a cette architecture 4 là qui sont les ports pleureurs. Donc les ports pleureurs, ils ont une mise à fruit très rapide. Ils fructifient sur des branches qui sont des branches plutôt pendantes. Mais en fait, ils sont capables de faire des fruits et des fleurs très rapidement, même sur des branches relativement érigées. Et c'est dès qu'ils ont les fruits qu'ils vont commencer à ploire et à faire encore davantage de fruits. Donc ils ont un renouvellement très important des branches et très régulier. Donc ce phénomène de rejet, de basculement et de rejet, il est tout à fait naturel et vous ne pouvez pas aller contre. Par contre, vous pouvez accompagner l'arbre à faire, au lieu de faire un jeune arbre qui... ça commence à être illisible là. Au lieu de faire un jeune arbre qui va basculer comme ça très rapidement et qui va être un peu compliqué à gérer, vous pouvez l'accompagner à faire une charpente un peu plus pérenne avec des bois suffisamment gros pour avoir les basculements sur l'extérieur plutôt, et là vous allez pouvoir augmenter la surface solaire, hein, et avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Pour ça, ben en fait il suffit juste d'enlever les fruits pendant quelques années, c'est-à-dire accepter de pas trop avoir de fruits au départ.
Bon, le basculement, vous pouvez l'accepter parce qu'en fait, quand même, malgré tout, l'arbre bascule quand il a les pommes. Et étonnamment, vous allez ramasser les pommes à l'automne, vous allez voir tous vos arbres comme ça, vous allez faire « Oh merde !» Mais en fait, dans l'hiver, bouip, les branches elles vont remonter un peu. Donc bon. Mais il faut éviter cette espèce de croulage de pommes là qui peut y avoir très rapidement en fait. Et jusqu'à ce que vous mettiez en place une charpente qui vous paraît intéressante au niveau de l'espace que vous voulez occuper, puis après là vous le laissez faire. Et c'est des arbres qui n'a pratiquement pas besoin de tailler, qui fructifient assez naturellement et facilement. Une petite éclaircie de temps en temps pour faire en sorte que chaque branche ait de la lumière, mais c'est des arbres qui ont moins besoin de tailler. Sur les deux, là, tu peux te permettre d'avoir des nanisants. Et ici, encore plus, puisque ça veut dire que tu as des mises à fruits très rapides et continues, et que c'est autonome enfin, dans la structuration. Et que là, par contre, c'est des pommiers qui arrivent à faire mourir des branches, par contre, plus facilement. C'est-à-dire que les branches dominées, elles finissent par mourir, sécher, et tu peux les enlever sur ces pommiers-là. Et greffé sur front, ça marche très bien aussi. Hein. Ça fait des arbres... très grands, qui font des grandes branches qui retombent. Il faut se méfier, c'est dans la jeunesse de l'arbre en fait. C'est que tu peux avoir des arbres justement qui se comportent comme ça là, qui font des grandes pousses, et comme ils sont très acrotones, ils vont faire des grandes tiges, et puis après ils vont repousser au bout des tiges, et là tout le monde, ça se casse la gueule, puis ça repart. Donc c'est des ports un peu bizarres quoi. Ouais. C'est pour ça que quand je disais que la grosse vigueur sur des jeunes arbres, c'est pas toujours souhaitable. Parce qu'en fait, on peut se retrouver avec des arbres qui sont incapables de se tenir tellement qu'ils ont de vigueur au début. Ouais. Donc, c'est sûr, les pépiniéristes, ils ont tendance à balancer pour avoir des grands sions longs comme ça, là, mais sur un port pleureur, les grands sions comme ça, c'est pas génial, quoi. Il vaut mieux avoir des choses qui se développent un peu plus tranquillement et qui mettent plus de temps à fructifier, quoi. Pas chercher à faire fructifier trop rapidement, même si pourtant. On pourrait dire qu'il y a deux ports, le port pleureur et le port érigé. J'ai mis le port planétaire entre les deux là, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il y a deux tendances quoi. La tendance à faire des fruits sur des branches acrotones et au bout des branches qui font qu'on a un port pleureur, et la tendance à faire des fruits sur des branches latéralisées qui sont soumises à un fonctionnement hormonal qui est plus subordonnant pour les branches latérales et qui font que c'est ces branches latérales qui vont faire des fruits. En quelque part, on pourrait juste se limiter à ça. Hein. Et qu'il y a plus ou moins de tendance vers l'un ou vers l'autre. Quoi.